Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de notre Let's Play en coopération avec Mamie Lamy sur 7 Days to Die, un jeu indépendant en alpha qui poutre du poney. Salut Mamie, comment ça va? Salut tout le monde. What the fuck? Attends, mon dieu. Comment vous allez bien les gens? Nous ça va bien depuis le temps, depuis en fait avant-hier, hein, tout bêtement. Fais gaffe à ta gauche. À ma gauche? Là? Non. Ici. L'autre gauche, mamie, l'autre. Donc, oui, donc, comme promis... Je vise comme une merde. Oh mon dieu. Ça commence bien, hein. Comme promis, nous allons, eh bien, commencer cette journée. Après, donc, le petit bonus que vous pouvez aller voir sur la chaîne de mon ami Mordren. Oui. Qui a détruit totalement notre toit. Ouais, c'est pas de ma faute, comme hein. Promis, donc, après cette soirée folle, pleine de... sensation, nous allons donc lancer la création d'un abri. Et oui, je l'avais dit, en mode YOLO, comme je le disais, nous allons construire un abri. Il est invincible, ce zombie donut. Notre abri, nous allons de toute façon, ce n'est pas vraiment le mot, nous allons bien trouver déjà notre endroit. Ouais, sachant qu'il faudrait... Y a-t-il moyen de ne pas perdre de vue la maison qu'on vient de laisser, parce qu'elle est quand même pleine de tous nos coffres? C'est vrai. Avec tout notre inventaire précédent, donc... C'est vrai, c'est pas faux. Alors, ce qu'on va faire, c'est... tu vas essayer de nous trouver un petit coin. Pendant ce temps-là, moi, je me crée un lit. Oui, très bonne idée. Veux-tu aller en pleine forêt ou être proche de la nature ou alors rester dans la ville et utiliser en fait les maisons qui sont à notre disposition? Ce serait pas mal. Ok, donc maison quoi. Ouais, de rester près des maisons dans un premier temps. Ok. Ensuite on va explorer, ne vous inquiétez pas. C'est juste que la grande ville est quand même plus pratique pour les... Écoute, ne bouge pas, je vais appeler Century 21. Très bien. Century 21, bien sûr, je ne connais aucune... ok, et une autre, hein, vous avez le droit de choisir votre troisième marque. Parce que maintenant, en fait, chaque fois que je vais dire quelque chose, Mamie va tenter de ne pas puber, en fait, tout simplement. Et non, on ne sait jamais, parce que si nous devenons super mondialement connus, oh, imagine, tellement. Mais qu'Internet devient limité, ouais. Et ben voilà, et ben on me remerciera, parce que j'aurais sauvé ces vidéos. La théorie du complot. C'est ça, là où des centaines de youtubeurs... finalement ne pourront pas garder les leurs. En quelque sorte, tu as stoppé le nouvel ordre mondial alors qu'il n'est pas encore en place. C'est ça. Très toujours bien. Prévoir un coup à l'avance. Après tout, nous jouons à un jeu post-apocalyptique quand même, faut pas déconner. Elle a cru qu'elle allait me bouffer, la biatch. Alors, dis-moi, ça a l'air sympa ce truc. Petit abri plutôt cosy, ma foi. Enfin, plutôt une petite maison plutôt cosy, je trouve. Oui. J'aime bien. Cool, j'aime bien. Et puis, c'est pas très loin de l'endroit où on était à la base. Crois-tu... Ah, vous voyez, la destruction de mobilier. Crois-tu qu'on a besoin... qu'on peut détruire les... les rideaux pour avoir du... Non du seulement tissu. Je crois, mais j'en suis certain. Je te remercie, mamie. Mamie! J'ai eu un petit peu de scrap metal, tu vas être heureux d'ailleurs. Ah oui, je suis heureux, parce qu'on va quand même en avoir énormément besoin. Ah, bonjour. Le zombie donuts, notre ami de toujours. Ouais, tout à l'heure j'en ai trouvé un, mais il était juste invincible quoi. Oh là. Laissez-moi sortir. Laissez-moi, fils de sa maman. Je suis mort. Non. Si. Oh merde. Chose qui arrive. Tu t'étais fait un lit? Mais non, j'étais en train. Oh the fuck. Attends. Ah bah je suis quand même respawn sur le toit. Ah la chance. Du coup, ouais, ça va, t'as pas trop perdu quoi. Bah rien en fait. Pas comme moi dans l'épisode précédent. C'est ça. Attends, bah, j'étais dans la maison d'à côté en fait. Les zombies! Les zombies! Complètement bait, complètement. Merde, quel con! Je vais remourir! Oh non! Mamie! Moi! Attends. Si.
Bon, je vous encourage à aller vous moquer de mamie sur sa chaîne. Rien de rien. Non, vous ne me tuerez point. Attends. Bien, j'ai perdu mon flingue ainsi que ma dignité. Il est en train de se faire violer. Bien. Saloperie de. Les zombards, hein. Nos amis, bien sûr. Oui, alors, oui, on va tenter de créer ce fichtre d'épisode. Oui. N'importe quoi oui. D'abri. Ah oui, un abri. Ouais, ouais. Bah c'est écoute, je sais pas comment tu l'imagines, notre abri, parce que du coup, si on utilise solide. Une... Oui, ça paraît évident. Si on utilise une maison comme base, qu'est-ce que tu veux lui apporter, en fait en plus. Ah non, je ne veux pas. Ah non, 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 non. Je veux qu'on la construise de A à Z. Ça, ah, vrai. D'accord. Donc, à côté d'une maison. Oui, ou... près. Non, pas forcément. Enfin, près de la ville, quoi. Près de la ville. Ok. J'avais même pensé à près de... du champ de maïs, mais on il verra. Est où c'est. Si tu regardes sur ta map, ouais. C'est le carré le plus grand après la ville. Ah oui. Moi, j'aimerais bien qu'il soit construit en haut d'une colline, en fait. J'ai de quoi faire deux lits, mon Chopinot. Oh, ça me plaît. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer dans la maison en mode footballeur américain. Hop, voilà. Ça, ce que je pense que ça peut nous servir à terme d'avoir un abri en haut d'une colline. Qu'en penses-tu? C'est pas faux, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir creuser des choses amusantes, des douves, ouais. et d'autres joyeusetés joyeuses. Ouais. Par contre, j'ai besoin que tu viennes près de moi. J'arrive. Shipping back, comme ça, moi je m'en fais un et je te file ce qu'il faut pour. Bien sûr. Voilà. Alors je tiens à remercier The Pirate Caves, en tout cas c'est son nom sur YouTube, pour m'avoir filé le tuto de comment bien faire un serveur. Un serveur. Ça permet à Mordren de looter moult. Oui, ça me permet de moulter. Voilà, c'est vrai, moulter c'était le mot. Alors vous voyez qu'on a fait une petite organisation donc oh entre... Oh mon dieu, mais comment je fais moi pour passer? Eh bien tu passes. Je suis au bon endroit moi, oui. Ouais, il faut vraiment qu'on se barre de cet endroit là, hein, parce qu'elle est en très mauvais état cette maison. Ça se voit d'ailleurs au plancher du toit qui n'était pas aussi gondolé à l'époque. C'est vrai, ah, tiens. Oui, alors... Tu connais, tu as potassé tes... Pas du tout. Mais ça n'a pas l'air très compliqué. Non. Tu veux mon avis. Voilà. Ok, c'est fait. Je le mets à côté du tien ou tu veux qu'on se fasse la gueule? Oh non, on va se faire des attouchements, tout ça, ça va être cool. Voilà. Alors, on est bien bon, là. On va récupérer de quoi créer notre abri. Je voudrais, ce serait bien, qu'on ait de quoi faire... Du ciment en premier lieu, alors... Oui. Oh mon dieu! Et à l'état brut, ce serait ce qu'il y a de plus simple au début. Ensuite, on pourra le crafter, mais j'ai tout simplement pas encore potassé absolument tous mes crafts. Cette maison tombe en lambeaux. C'est d'ailleurs d'une horreur, parce que là, donc, cet épisode sort un mercredi. Oui, absolument. Voilà. Et mon tuto sur les crafts sortira dans la semaine. Mais ouais. Il est juste ignoblement long à préparer. Normal. J'ai voilà. Plus de balles. Enfin, j'ai presque plus de balles. Donut. Voilà, calme-toi, Homer. Voilà. Oh. Oh. Sur qui tu tires, là? Sur... Sur moi, ouais. Le Quimby, non, c'est le principal, c'est... Je ne sais plus. Non, c'est pas le principal, c'est le maire, Quimby. Je ne sais plus le nom okay, du coup, Android. Oui, choper du concrete, c'est-à-dire oui. du ciment, voilà. Comment fait-on, très cher? Alors, le ciment, bien, on peut le trouver dans certains bâtiments. Ouais. Mais là, oui, j'avoue que on pourrait choper de l'asphalte, éventuellement. Alors, on peut... Ça certaines va certaines bûches ont été perdues. Ok, tu m'as fait peur. Zut, alors. Non, pas de soucis. No soucis. Je vais juste devoir couper encore un petit peu de bois. Ouais. Et comme je le répète, c'était... Je n'ai plus d'eau. J'en ai plein. Non, c'est bon, j'en ai retrouvé 5. Ok.
Tuk tuk tuk. Du coup, enfin, l'objectif c'est quand même trouver un endroit pour créer notre bâtiment. Sachant Voilà. que dans les débuts de la construction, ça serait bien qu'on ne dorme pas la nuit à cet endroit-là, Non, c'est pour ça que pour ça pas va se le pas faire être mon... défoncer, un petit peu comme dans ton tuto. Oui, alors, Clin d'œil, clin oui, d'œil. voilà, oui, non, mais bravo, voilà, on descend l'artiste, n'importe quoi. Oui, je me suis fait, mais j'ai tenu. Oui, c'est admirable, n'empêche. J'ai tenu, notamment grâce à qu'est-ce que c'est que cet arbre qui vole? Viens voir ça. J'arrive. Où es-tu? Ah, tu es Ici. là. Regarde ça. Ah, j'ai l'impression d'être dans Minecraft. Saloperie. Alors regarde, c'est simple. C'est énorme. Il volait pas en fait, il était au-dessus de l'herbe. Ce jeu est énorme. Par contre, du coup, en haut d'une colline, certes, mais une colline déboisée. Alors oui, alors là ça va être la phase un peu chiante. Pour la vision. Il va falloir en fait bon l'abri, on va en faire un très très petit. Ouais. Je pensais à du bon un peu plus que ce que j'avais fait moi dans le tuto. Ouais, quand même. Du 6 sur 6, je pense. Ouais. Ouais, C'est avec des lingots de fer qu'on fait une hache. oui, mais alors pourquoi une hache? Parce que je voulais couper des arbres. Allez, Ou une alors, pelle, si tu veux. une pelle, c'est mieux. Alors, J'ai donc c'est la même calculé, chose. parce que je m'amuse à faire des calculs théoriques à la con, et une pelle est plus rentable. Donc on est d'accord qu'il faut quand même un lingot de fer. Il en faut 4. Oh mon Dieu. Oh ben j'ai pas ce qu'il faut. Attends, bah, je vais t'enfiler. J'ai déjà un lingot de fer. D'accord, je vais t'enfiler 3. Viens ici, bichon, il est où? Je tue des gens en ton absence. Tant mieux. Je fais des T'es prêt? bêtises. Oui. Allez. Allure. Tic tic Alors, tic bon, tic. moi je vais chercher un peu de ciment. Alors c'est pas pickaxe, ce que je veux c'est shovel. Allez, par contre, je vais faire une pickaxe. Bonne idée. Tuc. Il passait point. Allez, tellement facile ce système de craft, j'adore. C'est intuitif. Shovel, non. Ah, on me crie dans le dos et je n'aime pas ça. Ça me stresse. Bonjour. Bonjour. Ah, je n'ai plus de. Vous aurez remarqué un détail amusant. La culasse du flingue était restée en arrière. C'est un détail qui signifie, en vrai, hein, je n'invente pas, qu'un Tu n'as plus de pistolet balles. est vide. Oui. Or, c'est conservé dans le jeu. Ça, je trouve ça assez génial. Voilà. Alors, je vais donc Il vous fait créer. l'article hein, quand même hein, pour vous montrer que c'est meilleur que Minecraft. Hein. Non mais. Alors, t'as vu, c'est bien. Achetez, hein, les gens. Bon, on est à 13 minutes d'épisode. Je veux qu'on trouve un emplacement pour notre foutu abri. Bah, des boises. Donc on se met en gros là, juste en face des maisons. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Bon, je déboise. Je vais faire mieux. Je vais pas prendre de. Je vais prendre de l'asphalte. Voilà, Ah! je ferai du ciment. Je ferai. En même temps, on fera les débuts du minage dans 7 Days to Die. J'ai une Parce que je peur vous bleue. rappelle que pour le moment, nous n'avons toujours pas miné. Y a-t-il des minerais rares à miner dans ce jeu? Ou c'est Alors, simplement pour l'instant, des oui, il premières y a commodités? notamment. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, est-ce que c'est des minerais rares ou simplement des premières commodités Il y a du charbon. Ouais, pas très rare. Il y a de l'argile qui est sympathique, c'est pas d'un minerai, mais en tout cas D'accord. c'est sympathique quand même. Il y a aussi, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, du potassium nitrate. Oh. Le potassium nitrate qui va servir à créer notamment de la poudre à canon qui pourra nous servir à créer des munitions pour nos armes Ah, c'est bon ça. et surtout des mines antipersonnelles en tout genre hein, qu'on Ouais. pourra créer à partir de moult objets. Ouais, ça m'intéresse. Ainsi que voilà le Et ça, c'est potassium. déjà dans l'alpha ou c'est à terme ce qu'il y Ah aura? oui. D'accord. C'est notamment à cause de ces trucs complètement nazes. Non, c'est pas naze, mais que je galère à faire mon putain de truc sur les Ouais. crates. Parce que se miner le potassium nitrate, ça demande une mine. Tu n'as pas pensé à le faire en deux parties, ce tuto craft, parce que ça va être
Nom si, de dieu de long, quoi. Si, mais il me faut quand même un long moment, notamment pour récupérer tous les métaux nécessaires. Ouais. À savoir que les métaux, les fameux, les 10 métaux, il me faut 47 lingots de fer minimum. Oh, purée, ouais. Tu plus un nombre assez balèze de scrap, plus des ouais. short metal pipe qui se créent avec des lingots. Oui. Voilà. Ok, donc en gros, là, tu t'es mis en mode cassage de boîte aux lettres, quoi. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, alors le métal, certes, on peut le faire en scrap métal, mais chose que je n'ai pas encore dite, on peut aussi tout simplement le faire en minant des minerais de fer. Hein. Ça n'a pas changé, ça. D'accord, ok. Mais je ne suis actuellement pas allé beaucoup dans la mine, parce que je voulais voir à quel point on pourrait s'en sortir sans jouer comme Minecraft. D'accord, ok. Bon, ça commence à être un petit peu déboisé. Il faut que je fasse de l'autre côté un petit peu vers le côté forêt parce que j'ai l'impression que c'est l'endroit qui va être le plus dangereux en fait pour les venues de zombies. Mais bon, là la nuit va bientôt tomber donc je propose qu'on se remette gentiment vers notre maison. C'est une idée, moi je finis mon carré là et j'arrive. Alors, je fatigue, je bois un coup. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas bien passionnant, mais on est dans les phases préliminaires de la création. La création de l'abri, qui va être absolument génial, bien sûr. Ouais, voilà. Ah, mon Dieu ! Voilà, ça devrait être... On me tire dessus. On va les tuer à la pique de pioche. Oh, dans ton dos, oh, dans ta tête, oh. Ok, moi je rentre, là j'ai plus beaucoup de vie. Tu m'énerves. Oui, et on a 40 minutes en fait, un peu moins de 40 minutes pour retrouver notre maison. Normalement elle devrait pas être très loin. Bah elle est marquée en fait d'un Ah oui, ouais, bah, elle est vraiment pas loin. Mais là par contre une demi-heure ça va être un peu chaud. Donc oui, c'est pas passé grand chose. Mais encore une fois, voilà, c'est le début. Là, à partir de l'épisode 4, je peux m'avancer en disant que ce sera un peu moins relou. Bah après, entre l'épisode 3 et 4, on peut peut-être, nous, faire le nécessaire pour... comment dire... Faire en sorte que l'abri... Enfin, l'endroit où sera le futur abri soit complètement bien fait. Justement, j'allais te le proposer une fois qu'on... Cette phrase est complètement pas française, mais vous avez compris l'idée. Voilà, en fait, là, c'était présentation d'en gros, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais le dire avant que ça coupe, il me reste encore un tout petit peu de temps si je me réfère à mon timer. Oui. La marche à suivre, que je vous avais promis à l'épisode précédent. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc ça va être un petit peu de blabla pendant que Mordred va nous mettre des torches sans nous écrouler la moitié de la maison sur la barre. Ah bah là, il n'y a plus rien à écrouler, hein, de toute façon. On sait jamais, tu sais, tu as des talents cachés. C'est vrai. C'est possible. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Pour bien survivre rapidement, comme on a fait lors des épisodes 1 et 2, vous cherchez rapidement du métal, de la nourriture et de l'eau. Pourquoi ? L'eau pour boire, nourriture pour manger, jusque là tout va bien. Du métal pour créer les outils le plus rapidement possible. Pas besoin de se la jouer Minecraft en coupant du bois. Les outils en bois n'existent pour le moment pas et à mon avis n'existeront jamais. Mais alors c'est pour ça que je suis en train de tomber. C'est pour ça que d'abord le métal. Ensuite, une fois que vous avez assez de métal, faites en priorité une pelle pour pouvoir ensuite aller couper du bois. Pour faire une pelle, il vous faut des sticks. Il ne vous suffit que d'un seul tronc d'arbre. D'accord. Pour avoir, après moult transformation, 64 sticks. Ce qui est plus que suffisant. Tu es d'accord, Mordred ? Oui. Elle est d'accord. Donc ensuite... La femme que tu as voulu faire taire. C'est ça. Ensuite, une fois que vous avez votre pelle, donc vous creusez, vous faites un peu de bois. Et vous créez votre pickaxe qui vous servira à faire du minage plus tard. Une fois que ça c'est fait, vous trouvez une maison déjà faite comme ceci. Normalement, j'espère que vous avez fait tout ça en une seule journée, c'est possible. Vous trouvez une maison comme celle-ci, vous allez sur le grenier comme nous. Vous faites un peu de stockage comme ici. Et surtout, vous avez récupéré 6 vêtements pour pouvoir créer votre petit lit qui vous servira de point de spawn. Et ensuite,
Eh bien, nous allons continuer là au prochain épisode en ayant défraîchi le terrain, etc. Je vous expliquerai tout ce qu'on aura fait pendant l'épisode pour créer votre premier abri. Voilà, Mandraine, je te repasse la main. Ouais, bah écoutez, il nous reste plus qu'à vous faire des bisous pour vous dire à vendredi, tout simplement, puisque c'est un let's play coopératif tri-hebdomadaire, donc le lundi, mercredi et vendredi. Pour le moment, on est encore sur le rythme, donc ça continuera à bien sortir trois fois par semaine. Et puis, donc voilà, dans l'épisode 4, on commence véritablement à poser les bases de notre abri, qui sera complètement magnifique. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut mamie, salut à tous. Salut tout le monde.